Cancer figuré parmi principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde. En 2012, il était compté approximativement 14 millions de nouveaux cas. Nombre de nouveaux cas ont augmenté de 70% environ, selon données pour deux prochaines décennies. Cancer lui constituait deuxième cause de décès dans le monde. On nous dit, selon données qui sont disponibles, il a fait 8,8 millions de morts en 2015. Près d'un décès sur six dans le monde est dû au cancer. Bonjour, bonsoir tout le monde. Déjà, on comprend, nous allons parler de cancer matin. 10 décembre, nous sommes sacrifiés artiste Joseph Emmanuel Charlemagne. Monsieur quitté nous à 69 l'année seulement, suite à un cancer dans le poumon. Et grand pile monde qui a mouru chaque jour qui joue avec question ça. N'a pas laissé comprendre ni et garder tout ce que ça n'a faire en termes de prévention pour nous éviter fraction ou continuer à mourir avec maladie ça. Et pour nous parler de cancer, on a pu recevoir responsable oncologie dans IHI et Saint-Luc, docteur Joseph Bernard Junior. C'est lui qui parlait de nous, faire mise au point ça aujourd'hui. Hein. Docteur, son plaisir, nous recevons matin sur TNH. Bonjour, Serge Junior, et bonjour à tous les téléspectateurs TNH. Là, on a parlé de cancer. De qui ça a parlé, docteur? Bon, cancer là, qui ça lié? Mais c'est une maladie côté un ben les cellules dans le corps qui commence à multiplier et puis une bosse avec une tumeur. Nous rappelons que le corps sont c'est des milliards de cellules qui fait lié et il y a des cellules qui multiplient, il y a des cellules qui mourent, mais à la faveur de certaines circonstances, ça arrive que il y a des cellules qui ne pas mourir pour plusieurs raisons. Et puis les cellules ça multiplié et puis il y a une bosse avec une tumeur. Évidemment, tumeur maligne, parce que tumeur ça, et plus ça vient gros, plus il y a tendance à envahir l'autre organe, c'est ça les métastases. Ok, nous avons un cancer dans n'importe quel organe encore. Évidemment, il y a un type de cancer qui est plus facile pour traiter, qui est vraiment difficile, surtout parce que découvre très tard. C'est ça qui provoque ce tumeur là. Ça qui nous donne tumeur. Bon, tumeur là, il faut dire que le cancer là, son bagage qui. Il y a plusieurs facteurs qui sont à l'origine de lui. Et nous avons dit comme ça, tout le monde a un petit cancer, a une petite cellule qui de temps en temps peut échapper à contrôle corps. Mais comme nous avons un système de défense qui est assez fort, qui est assez solide le plus souvent, nous ne pas développer. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui, pour plusieurs raisons, soit par exemple malnutrition, mais parce que les gens n'ont pas bien dormi, les gens sont stressés. On a une mauvaise hygiène de vie. On a fumé, on a bu un peu d'alcool. Et là, on a bu un peu d'alcool, on n'a pas mangé tout. Donc, tout ça fait, tout bagage, ça fait une somme. Et puis, ça prend le bail, on a un cancer. Mais est-ce que vous avez dit qu'on fait un bail ça ou bien vous venez gagner pendant après 10 ans? Ce n'est pas tout le monde. La majorité des cancers n'est pas génétique. Cependant, nous avons des types de cancers qui sont génétiques. Il y a des formes de cancer du sein qui sont génétiques, il y a des formes de cancer colon. Qui est génétique et de plus en plus on a des cancers qui sont associés à des facteurs génétiques par exemple cancer prostate ou bien cancer pancréas donc mais c'est pas toute la majorité des cancers c'est des cas qui sont spontanés et qui j'aime dire là c'est plusieurs facteurs qui compilés qui associés qui bail cancer là. Alors pas maman pas bail si nous ni cancer pendant la potée la vente et bon c'est en fait, ce n'est pas une maladie qui est transmissible comme ça, mais de façon génétique, oui. Mais ce n'est pas, j'aime dire là, et cancer génétique est extrêmement rare. Parce que quand il y a des gens qui ont fait avec des tumeurs, non? Il y a des gens qui ont développé des tumeurs, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est que les recevoir gènement et gène cancer là de maman. Quel l'âge exactement pour souffrir avec maladie ça? Non. N'importe quel âge. Parce que nous dans l'hôpital Saint-Luc, mais il y a l'hôpital Saint-Damien qui est le seul hôpital qui a un programme pour traiter le cancer avec les gens. Et il y a des gens qui ont moins qu'un an qui ont un cancer. Qui est capable de souffrir de cancer? Bon, et j'aimerais dire là, ce cancer là qui a affecté tout n'importe quel organe. Et nous avons parlé de cancer, un peu cancer qui est courant en Haïti. Et en Haïti, si on prend une statistique de l'hôpital Saint-Luc, 80% des patients sont filles. Et deux cancers qui ont plus et ravagé les femmes, c'est le cancer sein avec le cancer colmatrice. Si on prend un cancer sein, bon, le plus souvent, sont boules
il commence à grossir dans le sein. Et au début, il pas fait mal, mais après, ça a une douleur. Donc, boule ça, les femmes n'ont pas senti dans le sein, elles sont boule qui dure en pile. Et le plus souvent, ils ont tendance à attaquer poids, ou poids avec une grosse sorte, ils ont un aspect en pose orange. Et des fois, quand les mamelons ont changé de forme, poids a changé de couleur. Ok, il commence à avoir un gland dans le bras. Et le cancer vient très avancé, il commence à sentir de gros douleurs. Soit pour le cancer colmatrice, qui est le deuxième type de cancer nous plus joint dans l'hôpital Saint-Luc, son fille qui a plein de, au début, a plein d'infections. C'est-à-dire qu'il y a un petit liquide là-bas pour vagin de temps en temps. Là, le docteur, et le plus souvent, c'est ça, moi, en pile, quand il fait ça, le plus souvent, le docteur, son gynécologue, il pense que c'est une infection. Donc, il a traité pour infection. Mais malgré les médicaments pour infection, gloire là toujours. Donc, si nous voyons que l'infection et la sécrétion ça persisté, donc il faut. Et gynécologue a pensé à un éventuel cancer colmatrice. Donc, il faut essayer de garder un colmatrice pour essayer de pas gagner une petite tumeur qui commence à développer. Au fur et à mesure, le cancer a développé et il faut pas avoir un cancer et douleur en bas de lui. Donc, des fois, il sent que la douleur est dans le dos et tout. Et il peut continuer à en plus de glow là-bas, il peut commencer à bailler sang. Ok, donc ça c'est le premier signe cancer du sein avec cancer colmatrice. Est-ce que tu vas parler de dérèglement dans le cycle de menstruation fille à tout? Et bon, c'est pas vraiment un dérèglement dans la menstruation, c'est le fait que la bailler sang en l'autre façon, c'est-à-dire que le cycle menstruel là, il vient périodiquement, mais en plus de sang la bailler dans règle, la bailler sang dans colmatrice tout. Donc ça a fait effectivement que les femmes n'ont pas qu'à distinguer sans capsule qui lié à régler avec sans qu'il y a cancer là. Mais une fois on dit cancer sont maladies capturées de manière silencieuse. Oui, effectivement, il y a des cancers qui très silencieux, soit pour un cancer colmatrice, ça prend 10 à 15 ans pour venir un cancer colmatrice. 10 à 15 ans. Oui. C'est ça qui fait que justement il y a pile occasion qui rate parce que avant un cancer colmatrice, il y a des tests de dépistage qu'on a fait. Pour qu'à détecter si lésion qui envahit le cancer là, laisse qu'à prendre en charge correctement. Donc ça veut dire qu'il y a pile occasion qui ratée. Vous connaissez bon, santé en Haïti, c'est vrai, son droit universel, mais santé à grand coup. Et c'est pas tout le monde malheureusement qui gagne accès à soins de santé et santé pas une priorité pour pas. Mon ça fait que mon a fait 10 ans, 15 ans et puis c'est le soit à barrer les lieux que tu as un cancer. Parce qu'il faut venir à l'hôpital, c'est pas capable encore du tout. Justement. Donc c'est plus ou moins dans la culture haïtienne. Je ne dis pas c'est vraiment la culture. Peut-être que ça a un rapport avec le niveau socio-économique du patient. C'est-à-dire que Peter Al ou le docteur, il y a besoin primaire pour satisfaire. Hein? Oui, parce que là, selon les données OMS, en 2010, c'était estimé à quelques 1160 milliards de dollars le coût annuel total de la maladie. Oui, cancer, c'est une maladie qui coûte cher en pile. Et médicaments coûtent très cher. Si on prend tout le monde a été traitement, c'est-à-dire radiothérapie, qui malheureusement pas disponible en Haïti, c'est des traitements qui coûtent en pile l'argent. Enfin, nous allons rentrer plus devant la question de traitement. Mais je ne dis tout à l'heure, nous croyons que cette maladie capture de manière silencieuse. Je dois gagner, je dois développer, et puis je me connais, je vis avec lui. Mais à partir de qui ça, je dois sentir que je dois prêcher mes docteurs, pour me peut-être faire un dépistage, qui t'a aidé moi, vivre avec maladie, ça ne va pas venir mal et tomber. Le plus souvent, là, comment c'est senti, bah, il est déjà trop tard. Soit pour un cancer colon, un cancer estomac, là, comment c'est senti, ou un cancer poumon, là, comment c'est senti malade, là, déjà, il est trop tard. Donc, meilleure solution, c'est aller au docteur de façon périodique. Il y a des pays, malheureusement, ce n'est pas en Haïti, il y a des pays côté, dépendamment de background, c'est-à-dire histoire familiale ou dépendamment de l'habitude de vie, ils exigent aller au docteur périodiquement. Si on prend un cas cancer prostate, là, par exemple, et à partir d'un certain âge, tout garçon supposé aller au urologue pour détecter bonheur au cancer prostate. Bon, à partir de 40-45 ans, disons, surtout à partir de 50 ans.
Parce que majorité cas cancer prostatique, c'est à partir de 50 ans que vous commencez à développer. C'est pareil pour cancer du sein. Dans des pays bien développés, un programme de dépistage cancer du sein, côté systématiquement, mesdames, à partir de certain âge, bon, 40 ans pour quelques pays, 50 ans pour l'autre pays, il y a le fait des mammographies, c'est-à-dire des radiographies de sein, hein, pour qu'à détecter et un éventuel cancer le plus tôt que possible. Mm-hmm. Mais qui vous parlez de cancer colmatrice, cancer prostate, qui t'apparaît cancer plus fréquent, je dirais. Justement, bon, selon statistiques que nous gagnons de OMS pour Haïti, cancer qui pique courant quand femme, c'est cancer du sein avec cancer et col de l'utérus, cancer colmatrice, j'en ai qu'on dit là, et puis quand garçon, c'est surtout cancer prostate. Et ça va empêcher, notamment, pile cas cancer du sang, par exemple. Oui, nous avons pile cas cancer du sang. À Saint-Luc, nous avons pas mal de cas de cancer du sang. Et faut dire que nous pas vraiment des statistiques nationales sur Haïti. Donc statistiquement, bah, c'est des statistiques de l'hôpital côté de mon travail. Hein. À la rigueur, on travaille des statistiques sur l'hôpital général parce que c'est une étude que nous avons fait sous 10 ans, de 2006 à 2015 dans HUH, et nous voyons que le cancer du sang est assez court. Qui tranche d'âge nous voit plus souffrir de cancer, je dis, en Haïti? Malheureusement, c'est la population qui est active, là, c'est-à-dire. Mais les gens qui ont plus de cancer, là, ils tournent autour de 30 à 50 ans. Et bizarrement, parce que la population haïtienne qui a un cancer, là, les jeunes, contrairement à l'autre pays développé, soit en France ou bien aux États-Unis, c'est des gens qui déjà ont 60 ans, 70 ans. Donc, ils prennent le temps, ils prennent l'aller. Oui. Et il y a une grosse disparité entre épidémiologie en pays développé avec épidémiologie en pays sous-développé comme Haïti. Et j'aime dire là, et dans pays développé, on a développé le cancer là très tard, le plus souvent, alors que dans le pays développé le très bonheur, c'est-à-dire, par étonnant, on a un monde 35 ans, 40 ans qui ont cancer. Ça fait ça. Eh bien, j'aime dire là, ils ont commencé à questionner de plus en plus l'environnement. Soit pour un cancer du poumon, par exemple, il y aurait que à peu près 35% d'un cancer poumon est lié à pollution. Ok, pollution vient en tueur silencieux et de plus en plus, c'est pas seulement pour cancer. Mais pas une grosse industrie en Haïti. Non, pas une grosse industrie, mais nous avons pile machine. Soit regardez Port-au-Prince, Port-au-Prince c'est une ville qui est saturée et une plus gros pollueur, c'est machine. C'est vrai que de jour en jour, nous parlons vers voiture électrique, mais jusqu'à présent, nous dépendons de machines à essence ou bien à diesel. Nous en Haïti, nous avons pile machine diesel. Et diesel n'a plus pollué l'environnement que gasoline. Donc, nous avons pollution. Et nous avons parlé de alimentation et tout. Et qualité manger que nous avons mangé. Nous sommes un pays qui quasiment tourné vers l'importation et nous pas contrôler qui ça n'a pas importé. Donc, et tout ça n'a pas mangé. Est-ce que de bonne qualité? Est-ce que pas contaminé? Donc, tout ça là donne tout. Et nous avons mauvaises habitudes, tout. Bon, on pas fait politique, mais bouler caoutchouc sont très mauvaises pratiques. Nous boulons fatra n'importe qui, nous mettons plastique dans fatra. Donc, les plastiques là boulent à fatra, ils peuvent libérer des substances chimique qui est vraiment toxique et qui est cancérigène. Mais qui ça se boule caoutchouc à déranger? Parce que caoutchouc est à base d'hydrocarbures. C'est presque même substance ou jeune gazoline ou bien diesel là, sauf que les plus bruts que vous avez dans le caoutchouc. On ne voit pas qu'on voit un caoutchouc à bouler, ça qui passe. Il y a une odeur vraiment caractéristique. Donc c'est. Oui, là, nous inhalons, il n'y a pas le bord des dommages. C'est vrai qu'une seule fois n'a pas suffi, mais au fur et à mesure, un monde qui est exposé de façon continue à bagarrer ça, donc c'est un monde qui a bien plus de risques de développer un cancer. Il n'y a pas forcément pour le développer, mais il y a plus de risques. Mm-hmm. Alors, à côté du cancer du sang, et l'autre, nous avons plus de tout ça, c'est un cancer pancréas, cancer pancréas, cancer estomac, c'est des cancers qui sont très méchants parce que découvert très tard. Même j'ai un cancer poumon. Et par rapport à cancer, n'importe type de cancer, nous avons 4 stades. Okay. Okay. Stade qui est plus important, c'est stade 1 à 2. Pour qui ça? Parce que vous avez plus de chances pour guérir. Contrairement à ça, mon pensée, vous pouvez guérir de cancer. Mais il faut que vous découvriez à temps.
Et si m'a pas que l'autre stade c'est stade 3 à 4, il est très difficile pour guérir un monde qui est dans stade 3 ou bien dans stade 4. Si m'a prend statistique l'hôpital Saint-Luc Concord, 80% de femmes qui ont un cancer du sein c'est dans stade 3 à stade 4. Parce qu'ils viennent trop tard. Ils viennent trop tard. Et c'est ça qui fait que n'a pas accentué notion prévention, c'est-à-dire sensibilisation et puis dépistage. Nous avons des programmes de dépistage pour cancer du sein et cancer colmatrice. Et nous déplaçons tout, nous allons dans plusieurs hôpitaux et dans le pays, nous avons un programme de dépistage cancer colon, cancer et du sein dans le SONAPI. Okay? Parce que là, il faut essayer de cibler les gens qui n'ont pas vraiment accès à la soins de santé. Parce que c'est eux-mêmes surtout qui viennent. Okay? C'est eux-mêmes surtout. C'est les gens qui viennent là, ils viennent très tard. Mais est-ce que chaque stade a des caractéristiques pour le docteur? Bon, ça, là, nous, c'est, ça va dépendre du type de cancer. Là. Mm-hmm. Okay? Donc, si on a un stade 1-2, bon, le plus souvent, c'est un cancer qui est limité à côté du cancer à former. Donc, soit pour un cancer du sein, parce que c'est cancer du sein au plus pour en charge dans l'hôpital Saint-Luc. Et mais le cancer du sein, stade 1 à stade 2, c'est un cancer qui est limité à sein. Okay? Mm-hmm. Mais à un certain moment, eh bien, quand c'est à la paprie, t'es côté le corps, il est formé. Il peut laisser gagner dans le corps. Ça va les métastases en termes médicaux, dans le jargon médical. Donc, on peut voir que une femme qui, à partir d'un certain moment, elle va commencer à gagner gland dans le bras. Ça veut dire que quand c'est déjà quitté et sain, il va de l'autre côté. Ça, c'est déjà un monde qui est déjà dans le stade 3. OK? Puis, il y a un stade 4 à s'allier. Donc, son cancer du sein qui peut attaquer. Qui peut attaquer l'autre organe, il peut attaquer les os, il peut attaquer les poumons, il peut attaquer le cerveau, il peut attaquer le foie. Mais ça, on a un stade terminal, cancer du sein, pas de chance vraiment pour guérir votre traiter. Ou qu'à faire un petit traitement, mais c'est des traitements palliatifs, c'est des traitements de support. Mm-hmm. Et nous connaissons que, du moment que le cancer du sein, bon, dans le niveau science, il y a là, depuis que le cancer a quitté côté le cancer dans l'autre organe, pas de moyens pour guérir les gens. Vous parlez de cancer, c'est surtout pour mesdames, mais pas de trop longtemps, songez, bon, malheureusement, qui était nous, frère Claude Chénier, mm-hmm. qui était dirigé Collège Canada haïtien, qui était dirigé Juvenal Collège Sacré-Cœur-Tout. Mm-hmm. Frère Chénier mourit suite à un cancer de sein. Oui, justement. Alors, ça t'est étonnant pour nous, pour garçons, qui ont un cancer de sein. Effectivement, nous avons un garçon qui a un cancer de sein. Nous avons trois cas dans l'hôpital Saint-Luc. Et yo, tous les trois dans le stade terminal. Aïe, aïe, aïe. Pour qui ça? Parce que. Bon, un garçon, il n'a pas un gros sein, on comprend. Donc, ça veut dire qu'il est plus facile pour que le cancer attaque, par exemple, le thorax, là, vers le poumon et vers le zoyo. Okay? Donc, effectivement, ça, bon, dépendamment de statistiques, le cancer du sein, il représente à peu près 1% dans tout cancer du sein. Tout sexe confondu, donc quand il est garçon et puis quand il est femme. Mm-hmm. Et, il y a des cas de cancer dans la gorge, oui, il y a des cas de cancer dans la gorge. Nous pas ouais souvent, peut-être parce qu'il y a des spécialistes dans la région, des ORL, et le plus souvent, ils viennent très tard. Ça arrive surtout quand il y a des gens qui fument en pile, qui boivent en pile d'alcool. Cependant, ces derniers temps, nous voyons qu'il y a en pile de cancer gorge ou bien cancer oral quand il y a des gens qui sont jeunes. Et ça, c'est dû à exposition au virus, même virus qui bat le cancer colmatrice. Là. Ça peut arriver que dans la gorge ou tout. Est-ce que ça a la cause ça? Bon, et première raison, c'est pratique sexuelle. Non? Ok. Ok, c'est ça, une raison qui fait que quand je vois. Une fellation qui a fait ça? Une fellation, bien qu'une lingue surtout, si c'est un garçon. Fellation surtout, enfin, mais nous voyons que c'est surtout quand les garçons que ça arrivait. Et parce que même le virus ça, et qui bah, colmatrice, quand je joue dans le gorge, et le bon cancer. Là. Mm-hmm. Alors là, les pratiques sexuelles méritent de regarder. Bon, et oui, en quelque sorte, mais la sexualité est bah, extrêmement complexe. Mm-hmm. On ne peut pas changer l'habitude sexuelle au monde du jour au lendemain comme ça. Et encore une fois, c'est surtout prévention. Et pour nous accentuer sur lui, mm-hmm. pour nous découvrir le cancer le plus bonheur que possible, et pour nous guérir le plus de monde que possible. La Kaiti Mounio, comment ça? Nous avons le cas de Timoun qui a souffert de cancer toujours dit? Oui, nous avons le cas. Et malheureusement, nous avons seul l'hôpital pour tout le pays. Hein. Ça, seul l'hôpital pour Timoun? Oui, c'est l'hôpital Saint-Damien, nos petits frères et sœurs. Oui.
sous tabac, beaucoup de Saint-Luc. C'est le seul service oncologique bien pour tout le pays. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il y a un pile de monde qui a mouru de cancer que nous ne connaissons pas. Soit parce qu'ils n'ont pas diagnostiqué ou bien parce qu'ils n'ont pas référé à temps. Donc, type de cancer non plus, je vois un cas de Timoun, mais si je prends 5 qui est plus important, c'est le cancer du sang, leucémie. Nous avons un tumeur rien que le tumeur de Wilms, qui est en deuxième position. Nous avons un tumeur qui est dans les yeux, qui est le rétinoblastome. Et puis, nous avons un lymphome, qui sont l'autre type de cancer du sang. Donc, ça, c'est la 4 qui est bien pour nous. On va essayer de garder qui cause, qui fait que, bon, c'est une des innocents, ils ne vont pas faire trop longtemps, qui fait que même eux-mêmes tout, ils vont essayer de vous dévoiler. Bon, et le plus souvent, la plupart du temps, le génétique. Ah surtout bon? Quand il y a Timonia. Mais pas forcément. Ok? J'aime t'expliquer dans le début de l'émission, cancer, c'est un bagage qui est multifactoriel. C'est plusieurs facteurs qui combinent. Qui vient de bon cancer là. Ou pas vraiment, ou ka wè ki sa, ou ka wè mutation, c'est-à-dire changement ou gen nan gen nou qui vient de bon cancer là, mais ou pas ka di exactement ki sa ki bon ou moun cancer. Ok, nous connaissons des infections par exemple qui bay cancer. Nous parlons de HPV, virus papillon humain, qui bay cancer col matrice surtout, mais qui ka bon cancer gorge, cancer nan bouche. Nous gen virus hépatite surtout, hépatite B, hépatite C. Qui a un cancer foie surtout. Nous avons un petit bactérie qui est l'hélicobacter pylori, qui est un peu le monde qui a le plus souvent qui a un problème d'estomac, qui a une brûlure d'estomac, qui a hyperacidité. Le plus souvent, c'est des gens qui ont une infection à l'hélicobacter pylori, qui sont bactéries, qui ont traité facilement, du moment que vous prenez bonheur. Mais il y a des gens qui, à la longue, viennent développer des cancers de l'estomac. À cause de l'infection, ça. Ok? Nous avons l'autre virus qui baille des cancers du sang, des lymphomes le plus souvent. Bon. C'est le virus d'Epstein-Barr, par exemple. Donc, nous avons un pile des cancers tout, qui sont d'origine infectieuse. Ok? Ok? C'est ça que fait en Haïti tout. À une certaine époque, tu as toujours dit en Haïti, c'est surtout maladie infectieuse qui a fait ravage. Mais ce n'est pas vrai du tout. En plus de maladie infectieuse, nous commençons à avoir toute une série de autres maladies, dont le cancer. Yo. Banon qui le problème. Mais et infection sexuelle non transmissible et ou pas du genre à provoquer cancer. Oui, si on a un patient qui est infecté par VIH par exemple, il a pile chance pour développer cancer. D'ailleurs, c'est un nouveau thème quand un patient infecté par VIH, il vient voir que bon avec médicaments qui très efficace, mon ça va vivre plus longtemps, mais on rend compte qu'il a développé des cancers et avec le temps. Ah bon? Oui. Cancer à quel niveau? Et bon, nous avons, bon, si je regarde statistique de l'hôpital Saint-Luc, là, nous avons une trentaine de cas de patients qui ont cancer et qui ont VIH positif. Et le plus souvent qui cancer que vous avez, c'est cancer col matrice, c'est cancer bouche, ok? Et lymphome, c'est le type de cancer du sang. C'est trois cancers qui sont plus importants que les gens ont développé. Et selon les statistiques qu'on a à l'hôpital Saint-Luc. Pour qui ça, les gens qui sont infectés par VIH et développé cancer, c'est parce que le virus, ça lui fait lui attaquer le système de défense, le système immunitaire. Il affaiblit. Et rappelez-nous que le système de défense, il n'est pas occupé seulement de l'infection, il occupe du tout de cancer. Je me dis au début, de temps en temps, il y a une cellule, il y a un petit cancer qui a développé, mais le système corps, quoi appeler, il empêche d'évoluer. Mais comme on a un système de défense qui n'est pas trop en forme, faible. En plus de ça, il y a des infections opportunistes que, par exemple, si nous prenons et HPV, même cancer, et même virus qui va être cancer col matrice, là, eh bien, virus a plus et possibilités, plus marge de manœuvre pour bailler des cancers. Alors là maintenant, les gens sont très exposés, si je bien comprends. Oui, ils sont très exposés à cancer. Donc, c'est des gens qu'il faut surveiller parce qu'ils ont développé cancer plus facilement qu'un monde qui n'est pas infecté par VIH. Malgré que les gens ont dit que tu as une maladie, c'est pour ça qu'ils ont cancer. Parce que ça me dit, avec antirétrovirus, je dis, on est capable de. Oui, bien sûr. Longtemps. Avec antirétrovirus, il y a de plus en plus. Il y a des antirétrovirus qui sont de plus en plus efficaces. Il y a des gens qui ont VIH, qui ont 20 ans. Ouais. Et parfois, même quand on dit, vous faites test pour même si on a toujours contaminé les gens. C'est ça, les charges virales, ils détectent quand c'est des virus qui est dans le sang. Et des tests, si on n'a pas détecté le virus, ça veut dire que la maladie est sous contrôle. Et
chance pour que moun sa transmette maladie, hein, li quasi nul tout. C'est-à-dire pas qu'à transmettre li vraiment. Donc c'est une maladie qui te kon fait peur en époque, il y a peut-être 35 ans de ça, mais koune, hein, et moun qui est infecté par VIH, du moment que li prend très bien médicament li, la fait 20 ans, 25 ans. Et kounia justement, j'en dis, plutôt moun n'a peur cancer là, kounia que. Mais ça m'a dit tout, vous ne pas continuer pour précaution, pour ne pas attraper maladie. Oui, oui, oui. Oui, maladie. Oui, nous d'accord que pour toute maladie, toute clé pour toute maladie, c'est prévention. Mais docteur Bernard, nous pas toujours parler de cancer en Haïti. Nous avons dit, par contre, c'est parce que nous avons assez d'éléments ou bien assez de monde qui formé dans le niveau ça, qui nous fait état de ça. Mais pas que trop longtemps, depuis qu'il a mouru avec la question cancer, ça a pu le faire actionner au pralé. Est-ce que dans le niveau Saint-Luc, par exemple, quand tu travailles, une étude qui arrive mener pour qu'on ait, pour qui ça veut dire un pile haïtien, a souffert à cancer et puis a mouru là? Bon, pour nous avoir une étude comme ça, il faut nous avoir un bon financement pour nous essayer de chercher. Son étude pour nous faire au fur et à mesure sur 5 ans, sur 10 ans, nous avons essayé pour qui ça. Mais nous déjà avons idée, déjà des hypothèses, nous avons dit. Et nous avons déjà parlé de hypothèses. La première hypothèse, c'est l'habitude alimentaire. J'en ai mangé. Et manger, que la qualité de manger que nous mangeons. Manger en pile graisse, et snap, et toute viande qui est importée, tout poulet, qui a hormone là-dedans. Nous connaissons qui est fait que le café sous nous. L'autre aspect, il ne faut pas négliger tout, c'est l'environnement. Nous. Mauvaise pratique que nous avons avec l'environnement, nous. Le fait que nous avons boulé. Et fatra, n'importe qui côté, nous boulons plastique, nous avons plastique tout côté, et pollution machine, nan tout. Moi, je pense que Port-au-Prince est une ville qui est saturée avec machine. Et en plus de ça, nous avons des machines qui sont très anciennes, tout. C'est-à-dire que de plus en plus, les moteurs viennent perfectionner pour réduire la quantité et polluants que la paix. Donc, nous avons des machines qui, normalement, datent de 1990, qui roulent toujours. Donc, ça, tout ça fait en sorte que nous plus exposés, encore une fois, si nous parlons de l'habitude alimentaire, nous avons une population qui mange un peu de graisse et qui en surpoids et même obèse. Tout. Obésité a grand pile pour avec cancer. Nous avons fumeur et tout. Nous sommes dans un pays qui continue à faire publicité pour cigarettes, par exemple. Alors que tout le monde connaît que les cigarettes sont gros tueurs liés. Il n'y a pas seulement un cancer pour moi, il y a tout type de cancer. Cigarettes liées à n'importe quel type de cancer. Même si vous êtes dans la carte, dit pas un petit monde produit ça. Bon, ça c'est juste pour. Tu m'as gravement santé. Oui, ça c'est juste pour dédouaner, pour compagnie qui a produit cigarette. Là, mais dans tout pays, ils ont interdit. D'ailleurs, dans les pays européens, ils ont taxé cigarette. À un point tel que les gens ne peuvent pas acheter cigarette. Cigarette vient très cher dans le pays, ça. Juste pour décourager les gens et pas fumer. Et même bagaille, ils ont empêché les gens de fumer en public en Haïti. Les gens qui fument n'importe qui côté. Parce que le tabagisme passif, les gens qui ne peuvent pas fumer sont plus vulnérables que les gens qui fument. Les gens qui n'ont pas l'espace côté de fumer, oui. Ils sont très exposés. Ils sont très exposés. Ils risquent pour le tag un cancer du poumon le plus important que les gens qui fument. Parce que les gens qui fument, encore, ils sont habitués avec les produits. Alors que les gens qui ne peuvent pas fumer, ils. Là, il est exposé à produire, il est plus sensible à lui. Mais question sport à tout. Oui, sport est important. Par rapport avec l'obésité, à ce point, il faut faire sport. Je veux dire, quand on avait question motocyclette, nous ne pas marcher encore. Tout côté, on peut aller au bon moto, tout côté, on peut aller au bon machine. Oui, justement. On ne pas marcher encore du tout. Dire. Donc, et exercice physique là, plus important. Marcher à son sport lié tout. Donc, en gros, tout ça, ensemble, donc son combinaison de tout bagaille, ça, qui fait que. On a développé cancer de plus en plus. Par rapport au fait que le cancer a développé, effectivement, c'est parce que de plus en plus, il y a des gens qui impliquent, des médecins qui impliquent dans le domaine cancer là, qui fait que justement nos cas découvrir cancer, nous avons plus cas de cancer actuellement. Mais cancer a toujours existé. Mais vous parlez de pas fumer, mais de médecins qui fument. Il y a une question ça tout l'autre jour. Il y a un fumé, parce que si tu veux fumer, et vous connaissez le babon, est-ce que le grave? Même j'aime te répondre sur le Caraïbe. Mon enfant, ton médecin, ton monde.
il n'a pas fait tout médecin. Donc peut-être qu'il était confirmé avant le médecin. Et son habitude de fumer, son bar qui est difficile pour camper. Ok, ou vient dépendre de cigarettes là. Donc c'est ça qui fait au cas où des médecins qui fument en pile, des médecins qui boivent alcool en pile, ou bien des médecins qui obèses, ou bien qui ont surpoids. Non, mais même de vous dit boire alcool, mais est-ce que le corps a besoin de quantité d'alcool tout? Est-ce bon, que... et alcool là, son poison lié, pas fait être une illusion. C'est vrai que vous parlez de paradoxe français, c'est-à-dire que ouais, que français vit plus longtemps parce que boit du vin, c'est pas à cause de l'alcool là, non. C'est parce que du vin, ça a des antioxydants. C'est des substances, des molécules qui empêchent que les cellules dans le corps vieillissent plus rapidement. Ce n'est pas l'alcool là qui fait que vous vivez plus longtemps, c'est le produit ça, antioxydant qui fait ça. Donc, l'alcool, techniquement toxique. Et d'ailleurs, OMS clair sur ça. Alcool, tabac, c'est le principal facteur de risque pour développer cancer, quel que soit le cancer. Et chaque fois, vous mangez un petit bière, par exemple. Bon, ça, c'est, encore une fois, ça fait partie de l'habitude, mon Dieu. Ce n'est pas forcément de bonnes habitudes. Parce que l'alcool, j'aime dire l'alcool, là, lié, son poison lié. Ou ka pa bwèl, ou pa, fait, ou ka diminyo, mais pa bwèl du tout. Bon, ka consommer avec modération. Faut consommer avec modération. Sou pa bwèl du tout, le pis bon. Mais, si on prend le fait de boire du vin ou bien boire et bière, ça fait partie de société, c'est une habitude sociétale, quel que soit le pays. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est des bagailles qui capent difficile pour éradiquer du jour au lendemain. Mm-hmm. Alors, le prétexte qui fait faire émission, ça, c'est le mort de Emmanuel Chalmaï, oui. Et c'est cancer poumon qui touille monsieur, mm-hmm. selon les données médicales. Yo. Il même parlé de que le cancer prostate, puis la cause cancer. Parce que ça qui arrive, je souffre avec mon cancer et puis il provoque l'autre cancer dans notre organe. En fait, non, moi, bon, je n'ai pas toute information sur l'histoire médicale de Emmanuel Chalmaï. Mm-hmm. Bon, en même temps, pile que je parle, je dis son cancer du poumon que le gars. Mm-hmm. Mais en même temps, il dit qu'il a un cancer prostate. Alors, moi, ça me pensait, c'est que peut-être qu'il a un cancer prostate. Que le traité, mais avec le temps, le cancer a évolué. Et évidemment, on parle de métastase, c'est-à-dire à un certain moment, côté cancer a quitté côté le corps massé, là, dans l'autre organe. Et bien, il est possible que ça, je ne pour moi, c'est des métastases de cancer prostate que le tap traîné depuis un bon petit temps. Il a même parlé de cancer cerveau, tout. Peut-être que tu as une métastase dans le cerveau, tout. Mm-hmm. Tout ça, et ça a été gagné dans le poumon, ça a été gagné dans le cerveau, c'était toujours cancer prostate que l'on était probablement gagné. Tu vois, est-ce qu'il n'est pas bien traité, mais tu sais que tu as traité là? Non, et... non, encore une fois, ça va dépendre de stade. Le stade là, et ouais. Même là, bien traité, tout ça va empêcher que le cancer là retourne. Parce que le cancer prostate, on peut vivre longtemps avec. Très bien, oui, c'est un cancer côté. Ou quand même, il y a un cancer prostate, et ce n'est pas le cancer prostate qui est tout. Et son cancer qui est très lent et puis bon, qui est très facile pour traiter tout, à condition que vous découvriez le bonheur, encore une fois. Mm-hmm. Donc, parce que clair, c'est qui ça, faut découvrir le cancer bonheur. Parce que là, nous avons gagné un ancien directeur général ici, hein, Joe Damas. Oui, qui est un cancer tout, pour qui moi. Qui était ça. En 2017, là, ça m'a vraiment très cruel. Il y a un peu de monde aller. Oui. C'est dommage. Et il même tout, tu parlé de cancer pour moi. Oui, cancer pour moi, oui. Mm-hmm. Bon, apparemment, peut-être que c'était un cancer pour moi. Mm-hmm. Mais j'aime de là sous toute réserve parce que je n'ai pas gagné. Et un peu, et monde, ça, on connaît, au fond, pile à but de tabac. Justement. De fumer en pile. Justement. Donc, encore une fois, si il y a des gens qui fument, il faut qu'ils puissent fumer. Parce que le tabac, ce n'est pas bon pour eux. C'est vrai que c'est difficile, mais il y a des moyens, des techniques qu'on peut utiliser pour qu'ils puissent fumer. Et tout, pas exposer les gens qui sont autour de toi. Évidemment, oui, justement. Si on fume la caillou, on a madame ou un petit tout, mettez-vous bien loin, on fume dans un coin pour ne pas exposer. Libéral fondamental pour nous garder traitement, pour nous garder spécialistes, on est tout disponible en Haïti et qui ça coûte, je veux dire, pour les gens qui ont un cancer, tu as joué un traitement. Et dans la deuxième partie de l'émission, rappelez-nous, on a suivi Mise au Point sous Télévision Nationale d'Haïti. L'invité de matin, c'est Dr Joseph Bernard Junior, et responsable programme oncologie dans IHI et Saint-Luc. Voilà, pour deuxième et dernière partie et émission jeudi, on va regarder le traitement. Et ça implique jeudi pour les gens
qui pas senti en forme, mais qui à l'hôpital le dépister le fond cancer. Il y a monde chaque fois à l'hôpital docteur de ce cancer, c'est comme la fin du monde, c'est un courant tellement bien dans cala tout pour n'appréler au père braler. Et je dis à qui ça la science proposée qui t'a caillé dans le monde, le fin connaît le fait cancer ou moi t'a vivre si temps toujours avec famille. Il y a plusieurs moyens que la science est bah nous actuellement pour nous traiter le cancer, quel que soit le cancer là. Et premier type de bon, à une certaine époque c'était surtout de façon chirurgicale de contrôler le cancer. C'est-à-dire c'est chirurgien, un chirurgien venu, il veut tirer le cancer là. Mm-hmm. Mais il y a des cancers où pas qu'à opérer. Parce que le cancer a tellement envahi quoi, que plutôt pas mal. Donc par rapport à ça, il est venu avec l'autre alternative, à savoir chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est une méthode de traitement qui est plus disponible et plus ou moins accessible en Haïti. Donc, ça, chimiothérapie, nous pouvons bailler des médicaments qui peuvent agir sur les cellules cancer pour tuer les cellules et même pour tuer les tumeurs. Là, tout. Mais le problème avec la chimiothérapie, c'est qu'il n'y a pas la cellule cancéreuse seulement. Il attaque là tout type de cellules. C'est ça qui fait que la preuve que les gens qui sont sous chimiothérapie sont des gens qui sont malades, qui ont un pile effet indésirable. Après, et puis après un certain temps, il y a des fois pour reconnaître les gens. Et ça, c'est un gros problème, surtout quand les femmes, ça dit pas les cheveux, tous les cheveux ont tombé, pour changer de couleur. Mm-hmm. Ok, il y a un pile qui vient perdre un pile poids parce que il a vomi un pile, parce que bouche pas bon, il n'a pas mangé, il y a une diarrhée. Mais tout ça, c'est dû à effet secondaire chimiothérapie hein, qui bat de bons résultats et qui, des fois, tout permet que mon nez soit opéré puis bientôt. Des fois, et dépendamment du stade cancer, on a encore type cancer du sein. Un cancer du sein stade 3, ou pas courir opérer comme ça. Avant d'opérer, il faut avoir une chimiothérapie pour réduire la tumeur, là, réduire le cancer. Là, laisser la plus facile pour le chirurgien retirer. Troisième méthode que nous gagnons, c'est la radiothérapie, qui malheureusement n'est pas disponible en Haïti. Quoique, à un certain moment, nous avons gagné en Haïti, sur l'hôpital Saint-François de Sales, ancien hôpital Saint-François de Sales. Mais bon, appareil était ancien, pas de main-d'œuvre, mais le centre de radiothérapie a disparu. À plusieurs moments, nous avons gagné une certaine velléité pour ouvrir un centre de radiothérapie, mais un centre qui est spécialisé pour le cancer, mais il est budgétisé plusieurs fois. Mais malheureusement, il sent ça jusqu'à présent pour qu'à mettre sous pied. L'autre traitement que nous gagnons, c'est hormonothérapie. Ça, hormonothérapie, c'est un médicament qu'on bail pour bloquer l'effet que l'hormone a gagné sous cancer. Il y a des cancers, par exemple, cancer du sein, cancer prostate, qui est hormonodépendant. C'est-à-dire c'est hormone corps qui a alimenté le cancer. Là. Donc, on a bail des médicaments pour bloquer l'effet que l'hormone a gagné et sous cancer là et empêcher les grossir. Il y a l'autre type de traitement qui est bien plus pointu et qui est très cher tout, c'est le traitement ciblé. On a parlé de immunothérapie, c'est des médicaments bail. Rappelez-nous que le système immunitaire là lié entre tout dans combattre le cancer. Donc on bail des médicaments qui permettent que le système immunitaire là capte et coupe le cancer là puis bien. Donc ça, c'est des traitements extrêmement pointus qui n'est pas disponible en Haïti parce que coûte trop cher. Et même pour un particulier, et quoi trop haut. Soit, il y a des types de cancers du sein qui ont besoin de traitements comme ça, mais un traitement un an, c'est 70 000 dollars américains, par exemple. Ah bon? Pour une seule molécule. On a besoin d'autres molécules. Tout. Et ça, c'est pas un médicament qui piche, il y a qui piche toujours. Il y a des médicaments qui arrivent jusqu'à 300 000 dollars. Pour un patient américain. Il n'y a pas de médicaments ici? Non, nous n'avons pas de médicaments ici parce que normalement, c'est des médicaments, vu que particulier pas qu'à acheter, c'est des médicaments que un programme de sécurité sociale qui a financé. Et il y a des pays comme la France ou bien un pays développé le plus souvent. Même pays où pas la pensée, comme l'autre jour, dans le Costa Rica. Costa Rica, c'est un pays qui est bien plus avancé que la République dominicaine qui est bon côté noir et un programme de sécurité sociale qui couvre les médicaments. Ça va dépendre de la politique de santé. Bon, si on n'a pas de politique de santé. Gouvernement? Oui, gouvernement, nous passons de en proportion de 16% à l'époque, qu'on y a moins que 5%. Hein.
parti budget qui alloue à la santé. Et cancer son traitement, et c'est une maladie qui coûte un pile aujourd'hui. Donc avec quatre... Mais ce que nous avons des techniciens, nous avons des spécialistes qui sont suffisamment outillés pour accompagner les gens qui ont souffert de cancer. Nous n'avons pas assez, malheureusement. Ok, donc ça fait que dans l'hôpital Saint-Luc-Lan, nous encourageons des résidents, c'est-à-dire et des médecins en formation, surtout résidents finissant en médecine interne, nous encourageons à faire des rotations. Pour qu'ils intéressent plus à l'oncologie. L'oncologie, c'est une science qui... Oncologie ou cancérologie, c'est son spécialité de médecine interne qui occupe le cancer. Évidemment, et ça qui c'est qui étudie, c'est cancérologue, oui, oncologue. Oui, donc ça c'est partie médicale, là, parce que cancer là, c'est prise en charge. Cancer sont prise en charge multidisciplinaire. C'est pas, il faut un interniste qui spécialise en oncologie. Il faut qu'on chirurgien qui spécialise en oncologie. Il faut qu'on psychologue, il faut qu'on travailleur social, il faut qu'on infirmière. Donc son équipe multidisciplinaire normalement qui prend en charge patient qui a cancer. Parce que bon, il y a un impact psychologique qui est extrêmement important quand les patients gens disent les annonces au monde que le gain cancer, c'est la fin du monde. Donc faut capable justement et assister monde ça psychologiquement, peut-être socialement tout, s'il pas gain moyen pour et payer traitement yo. Parce que si monde psychologiquement il pas stable, il pas qu'à kembe traitement. J'aime du traitement, son traitement qui est extrêmement lourd. Tu penses du en pile? Il est du en pile. Ou pas de chimiothérapie? Chimiothérapie, même chirurgien, tout. Là, on fait un cancer du sein. Bon, un cancer du sein, il faut nous retirer tête. Il faut nous retirer sein. Donc. Nous avons des cancers, par exemple, à côté de colmatrice, mais de l'autre partie génitale. Bien sûr, bien sûr. Nous avons un cancer pénis. Ah bon? En Haïti? En Haïti, oui, c'est des cas qui courent. Donc, il faut retirer pénis. Donc, disons que ou un cancer pénis, il faut retirer. C'est plus mal qu'un monde qui. Bon, c'est presque équivalent à un monde qui a un cancer du sein. Il y a des patientes, des jeunes filles de 22-23 ans qui ont un cancer du sein. Là, on dit, bon, on a un cancer du sein stade 3, il faut qu'on retire le sein, il ne peut pas retourner. Et là, ça vient plus à risque. Il vient plus à risque quand ça va évoluer. Il a pour retourner dans le stade terminal et là, ça ne peut pas faire pour eux. Pour qui ça ne va pas retourner? Donc, c'est des jeunes filles, ils peuvent pas marier, ils peuvent pas avoir des gens, des croyances qui circulent de leur qui dit de pouvoir tirer tête ou pas faire petite. C'est pas vrai? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, tout ça, tout tabou, tout bagaille, ça fait que les jeunes filles ne peuvent pas retourner. Il y a des gens qui ont une jeune fille qui était diagnostiquée à 21 ans. Et c'était l'hôpital Mienbalé. Il a dit qu'il a retiré ça, il n'a pas retourné. Deux ans après, il vient jeune moi, il me dit le même bagage, jusqu'à présent, il n'a pas de nouvelles. Et ça fait plus d'un an. Donc, j'espérais que il finalement fait ça que tu as pour faire là, à savoir traiter le cancer. Parce que s'il n'a pas traité, de ne pas traiter le cancer, il a évolué et puis il a tué. Qui accompagne nous au niveau Saint-Luc, pas seulement dans le Port-au-Prince, mais dans le pays, pour que nous ayons des campagnes de sensibilisation, des tests de dépistage, pour que nous suspendions mourir avec la question cancer ça. Oui, justement. Donc, IHI, qui c'est ONG qui est censé responsable du programme cancer du sein à l'hôpital Saint-Luc, il y a des programmes de dépistage. Nous avons parlé de programme de dépistage cancer du sein, programme de dépistage cancer colmatrice, surtout, c'est surtout qui a fait ravage. Donc, il y a des l'hôpital, il y a formé infirmières pour qu'on ait des gens pour examiner colmatrice. Là. Il y a les cryothérapies IVA, c'est-à-dire les femmes dans vini, ou passer un petit vinaigre, un petit acide acétique dans le col, et puis lui montrer si il y a une petite lésion dans le col. Là. Donc, ça a fait que nous faisons ça les cryothérapies, c'est-à-dire nous frisons la colmatrice pour essayer de tuer ces cellules qui envahissent par le virus. Là. Et puis, donc, son première méthode de traitement, mais il faut continuer à surveiller. Et ça n'a pas qu'à faire pour tout type de cancer. Parce que si c'est déjà un cancer, nous n'avons pas qu'à faire ça. C'est surtout pour les gens qui ont beaucoup dans ce stade de cancer là, que nous avons fait ce genre de traitement. Mais on dit tout ça, c'est peut-être pour les jeunes, c'est à la relation sexuelle trop bonheur qu'elle a fait ça. Son facteur de risque. Et plusieurs partenaires, tout faire relation sexuelle à plusieurs mondes. Oui, c'est les principaux facteurs de risque, pour, surtout pour le cancer colmatrice. À savoir, jeunes filles qui commencent un rapport sexuel trop bonheur, jeunes filles qui enceintes trop bonheur, jeunes filles qui ont plusieurs partenaires.
Et dans l'autre pays, encore une fois, ils ont essayé, ils ont gagné des vaccins pour ça. Que vous avez à jeunes filles qui n'ont pas de rapport sexuel, même à jeunes garçons. Tout. Et ça a eu de très bons résultats. Malheureusement, en Haïti, nous n'avons pas un programme vraiment de lutte contre le cancer. Donc, ce genre de programme de prévention, ça n'est pas vraiment disponible à large échelle. Et, mais de côté par nous, dans l'IHI, nous essayons de faire en sorte, nous faire effort pour aller dans l'autre hôpital, faire des programmes de dépistage, des programmes de sensibilisation, des programmes de formation, tout. Parce qu'il faut que nous formions les médecins, infirmières, personnel de santé en général, parce que le plus souvent, quand c'est là qu'on passe devant un médecin, il n'y a pas où son cancer lié. Et son occasion ratée, entre temps, on a évolué, et puis l'Elba, elle a commencé pas bon du tout, c'est la salle par dessous. Donc, formation personnelle de santé est extrêmement important, parce que ça qu'à permettre nous dépister ou bien diagnostiquer cancer puis bonheur. Nous avons un confrère dans la presse, c'est M. Camarade Iskia, un master journaliste, Julie Lambert, qui mourit malheureusement. M. Tekon a sur l'hôpital, je n'ai pas appelé le sous-poli. Et puis, Boukézil, c'est problème, c'est Baltimou et Tipomade pour le mettre là-dedans. Et puis, finalement, on va voir que c'était son cancer. Oui, il y a des cancers qui fait ça, surtout les cancers du sang. Et qu'il y a des gens de manifestation. Ça. Oui, mais là, quand il y a ça qui passe, c'est le médecin qui est outillé pour ça. Bon, et. Je monte de ça, et j'ai à l'hôpital bonheur. Oui, ça, mais c'est en réalité mal, qui c'est très dommage que nous ayons des professionnels de la santé qui n'ont pas qu'à diagnostiquer un cancer proprement. Et il faut que nous posions peut-être des questions par rapport à la formation et étudiant médecine tout, moi-même c'est un professeur à l'université tout, et même penser que il y a des réformes qui vous fait dans la formation médicale en Haïti et pour que nous quand des maladies nous passer à côté de eux, cancer là c'est une là d'ailleurs, il n'est pas normal, et nous connaît que plus vous découvrez cancer la bonheur, plus vous avez chance pour le guérir et que le survivre à cancer ça. Donc, il y a des réformes qui peuvent être faites à ce niveau-là. Parce que j'ai un pile témoignage de patients. Par exemple, des femmes qui ont cancer du sein, ils disent qu'ils sont abcès. Ils ont un antibiotique qui allait. Mais l'abcès n'a pas pété. Parce que si sont abcès, il faut qu'ils pètent. Ou bien si sont abcès, il faut voir la loin chirurgien pour qu'ils drainent l'abcès. Et puis, bon, boule la continue à évoluer jusqu'à ce que nous. Il fait le tour pays. Il y a des gens qui font le tour pays. Car l'hôpital non, car la Tiponie, car le sud, et puis atterri au vin jeune. Et puis si vous connaissez son pays, vous connaissez un miracle, vous connaissez un bon Dieu bon. Vous avez une vision sacrée des choses, vous avez toujours marché avec la prière seulement. Prière, nous avons un pile cas comme ça, nous avons un pile jeunes femmes, ou bien des femmes tout simplement, qui viennent à stade terminal, et puis leur poser la question, pour qui ça? Nous venons comme ça, nous disons, tu as prié. Et c'est des gens malheureusement qui viennent en état déplorable. Et c'est des gens qui jouent au compte. Ils n'ont pas le choix. Ils disent bon, et jouent au compte. Pas grand qu'à faire du point de vue médical dans ce stade. Ça. L'autre pratique que nous avons, c'est que il y a un pile de monde. Il y a tout ce qui est dans le péristyle. Voilà, ça me dit. Il y a des gens qui ont le bocot. Il y a un péristyle. On va aller au docteur et c'est le bagage qui est grave. Et puis, Boko Adzo, bon, c'est pour le docteur, il y a le docteur et puis. Bah, il y a un temps plus grave. Bah, il y a un temps grave. Bon, et puis, il y a un temps qui mourir à l'hôpital. Mais je ne parle pas là. Nous, plus, nous sommes en Haïti, plus parler pour cancer sain, à cancer colmatrice, peut-être cancer prostate. Mais l'autre cancer, je ne peux pas parler. Par contre, si je me trompe, non. Je ne peux pas outiller trop pour ça. Non, nous prenons en charge l'autre cancer. Tout, hein. Okay. Donc, cancer poumon, cancer estomac, nous faisons ça. Cancer poumon, il y a un petit genre bizarre. Je ne parle pas de pile cas cancer poumon. Et même là, nous jouons, il vient venir très tard. Et cependant, il dit, il y a un pile monde qui a un cancer poumon. Mais le plus souvent, ça, il dit, bon, il y a un cancer poumon, pas de traitement, on ne peut pas survivre. Et même si, effectivement, le cancer poumon est un cancer qui est très difficile à traiter, la chimiothérapie que nous avons actuellement n'est pas efficace, vraiment. Donc, c'est une molécule de dernière génération qui n'est pas disponible en Haïti. Nous sommes supposés gagner pour traiter un pile cas de cancer poumon, cancer rein, cancer estomac, cancer pancréas, cancer foie.
c'est son type de chimiothérapie particulière. Okay. Mais les molécules, ça ne nous pas gagner, okay. Malheureusement. C'est dommage. Donc, ouais. Le plus souvent, ça, là, nous avons des avec type de cancer, ça y si nous avons que cas c'est précoce, nous disons non et. Tout le voyage? Et si vous avez moyen, nous évaluer ta société. Si vous avez moyen, que l'y aller Cuba, que l'y aller République Dominicaine, que l'y aller aux États-Unis. Pour les États-Unis, c'est un peu compliqué parce qu'il faut une bonne assurance pour l'autre bord. Mais le plus souvent, il y a atterri soit en République Dominicaine, soit à Cuba. Est-ce que ça veut dire que les Dominicains ont un centre de traitement pour le cancer? Oui, il y a plus avancé que nous. Et justement, par rapport à la radiothérapie, nous associons nous avec un centre de radiothérapie qui passe en Domingo, mais qui est Santiago. Et là, nous avons un patient qui a besoin de bénéficier de radiothérapie. Nous voyons les patients à là. Bon, Nicolas et Dr Bernard, prévention, c'est le qui clair. Prévenir pour mieux que guérir. Nous allons refaire une émission, nous allons aller, nous allons garder. Nous allons aller faire personne peur d'ailleurs, ce n'est pas ça l'idée. Mais c'est juste pour faut des informations pour connaître ça, pour faire, parce que l'information c'est le pouvoir. Voilà. Je dis à qui sont quoi, nous allons garder là. Qui peut-être pour reconnaître si il y a un cancer, qui sont quoi nous allons faire. Donc, vous mettez, nous allons cancer, je dis à tout, qui ça, tout, comportement nous bon, pour les gens qui n'ont pas de cancer, qui vous reconnaît, parce que c'est qui vous reconnaît, donc, ça m'a suggéré tout le monde, il y a un petit difficile. Que vous avez un petit budget pour santé. Parce que j'ai l'impression que en pile dans les Haïtiens, il n'y a pas vraiment un budget pour soins de santé. Si vous avez un budget, il y a capable d'aller voir le docteur plus souvent. C'est ça qui est important. Que vous essayez d'aller voir le docteur à partir d'un certain âge, commencez à avoir 40 ans, 45 ans, là, il faut commencer à dire tout, il faut commencer à voir le docteur plus souvent. Pour les gens qui ont un cancer, je dis que le cancer n'est pas une fatalité. C'est une maladie qui a tué, mais elle n'a pas tué tout le monde. Et pour ne pas tuer, il faut qu'on aille au docteur le plus tôt que possible. Et il y a plusieurs signes, et c'est une cas rapidement. Pour les femmes, depuis qu'on sentit qu'il y a une douleur, une boule, dans le sein, et pour le sein, a changé de couleur, un aspect pose orange. Il y a un gland dans le bras qui est un docteur rapidement. Pour les jeunes dames, il y a un petit gloire à bail. Il y a une douleur en bas de la ventre. Ok? Que y a un gynécologue ou un docteur pour faire des tests spécifiques. Tout le monde qui a une histoire familiale de cancer, c'est-à-dire les gens qui ont une famille, ou une maman, ou un papa, ou un grand, ou un tonton qui a un cancer dans la famille, considérez que ou un certain risque pour un cancer. Donc, essayez d'aller voir un docteur pour évaluer le risque pour un cancer. Alors, si le risque est très élevé, eh bien, il faut aller voir un docteur périodiquement. Parce que si vous allez voir un docteur périodiquement, il y a plus de chances que si le cancer a venu, que vous rejoignez un petit bonheur et que vous allez guérir. Et à côté de ça, il fait sport? Oui, habitude de vie, hygiène de vie très important. Manger bien, éviter graisse, éviter tout ça qui est sucre. Là, on dit sucre. Nous mangeons un pile de jus, nous mangeons un pile de spaghetti, réduire dans ça. Et manger plus et légumes, salades, ça est important. Viande, c'est important, mais pas consommer le trop, surtout viande rouge. Ok, et. Vas-y, viens, parler. Viande rouge, viande bœuf surtout. Donc, à consommer avec modération. Et si nous voulons manger poulet, nous avons plus encouragé de manger poulet pour le pays ou bien. Que nous tuer pour la caille, parce que il y a un pile de monde qui utilise dans le poulet, yo, qui fait que. Et puis il y a un conservateur, mais on l'autre bagage que je t'ai bien mentionné, tout produit alimentaire, ça a des substances chimiques qui permettent de conserver. Il y a un pile là-dedans qui est cancérigène, selon l'Union Européenne. En Haïti, nous n'avons pas un contrôle de qualité, ça veut dire que nous n'avons aucun contrôle sur ce bagage. Il est bon si le gouvernement a. Créer une cellule de contrôle de qualité. Nous mangeons plus de dog ici. Justement, tout bagage ça, il faut une idée de qui ça gagne là-dedans. L'autre jour, je me disais que c'était une farine qui était un produit cancérigène, c'était bien. Mais est-ce que farine ça a sous-marché à toujours? Je ne sais pas. Donc, son bagage continue pour lui. Et fais sport. Pas boire un peu d'alcool. Ou bien, si possible, pas boire d'alcool du tout. Pas fumer. Bien soit fumer. Camper fumer. Donc, il une bonne hygiène de vie. Et puis, surtout, fais sport. Kimberling, ok. Donc avec tout ça, on espérait que, j'en dis à prévention,
c'est un facteur qui est plus important. Et si on a un cas plus ou moins fait 50% peut-être de tout ça, je recommande peut-être que le risque pour développer le cancer là, diminue. Ou du moins, si on a un cancer, on a découvert le plus bonheur et là, ça a une pile chance pour le guérir. Eh bien, qui contacte Fondation Saint-Luc, IHI, si vous voulez contacter nous? Et nous, dans l'hôpital Saint-Luc, ou IHI, l'hôpital Saint-Luc sous tabac. Et donc, juste à côté, bon, il y a trois hôpitaux dans la zone. Il y a l'hôpital Gesquio et puis il y a Saint-Damien par devant. Et donc, moi, si vous voulez contacter, le numéro de téléphone, moi, c'est 37 66 94 95. Nous avons une consultation du lundi au vendredi. Et de 9h jusqu'à 2h de l'après-midi. Si on pense que le grand cancer, si on dit le grand cancer, pas hésiter à venir à l'hôpital Saint-Luc. NAPCAP et faire des suggestions, NAPCAP évaluer les pour, et puis NAPCAP chita avec les pour dire mais qui est le meilleur moyen nous offrir les pour nous traiter le cancer. Un monde qui a senti exposé toi par exemple? Et oui. Nous avons jusqu'à 3 cas déjà, femmes qui sont enceintes et qui ont un cancer. Cancer, à quel niveau? Au niveau du sein. L'opération est plus difficile là, ça? Elle est plus difficile et la chimiothérapie est extrêmement compliquée. Et tout le monde faut protéger lui? Oui, il faut nous protéger lui. Bon, et il faut nous tenir compte de rapport bénéfice-risque. Parce que là, nous avons c'est pas un seul vie, nous avons 2 vies là pour nous sauver. Et sauver tous les 2 vies est extrêmement difficile. Donc, quelque part, on a fait un choix. Et malheureusement, ce n'est pas des décisions qui sont faciles du tout pour un médecin. Mais il y a toujours une solution pour essayer de faire un maximum pour nous sauver tous les 2. 3766 94 95, oui. Je vais parler avec le docteur Joseph Bernard Junior. Ici, avec un pile plaisir, nous avons fait le programme ce matin, nous avons mis au point ça. Prétexte ça, c'est la mort et l'artiste Mano Chalmay, TNH, qui est, depuis l'heure, il a pris une nouvelle là, qui passe suspendre un hommage bien mérité à Mano Chalmay qui quittait nous 10 décembre à 69 l'année. Merci docteur, je suis content de parler avec vous. Merci parce que vous êtes tout disponible pour TNH, je vous dis. C'est un plaisir et puis merci encore pour l'invitation. Voilà, notre invité ce matin, le docteur Joseph Bernard Junior, responsable programme oncologie à IHI et à l'hôpital Saint-Luc. C'est avec lui, nous avons fait mise au point ça. Merci tout le monde. Soutenez avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. Nous commençons à souhaiter nous tous joyeux Noël. Merci.